Patrick Ambassou effectue une livraison dans le quartier Hurlingham de Nairobi. Ambassou est récemment passé d'une moto à un vélo électrique. Ce père de 8 enfants affirme que le vélo a non seulement amélioré ses conditions de travail, mais aussi augmenté ses revenus. Parce qu'il y a les vélos électriques ont facilité les livraisons et le transport. Elles ont permis de réduire considérablement les coûts que nous aurions dû supporter pour acheter du carburant pour les motos. La moto a une bonne vitesse et peut aller partout, même dans les endroits inaccessibles à une moto. Les livraisons à moto, appelées boda boda, sont courantes au Kenya. L'année dernière, une entreprise kényane et néerlandaise, Ibi Africa, a commencé à vendre au Kenya, en Ouganda et au Rwanda des vélos électriques et des vélos cargo électriques pour les livraisons et les trajets quotidiens. Au Kenya, les vélos coûtent entre 580 et 740 dollars. Selon Ibi, plus de 800 livreurs de Nairobi ont déjà changé de vélo. Le PDG Sten van der Ham explique que l'objectif est d'accélérer l'adoption de moyens de transport propres en Afrique subsaharienne afin d'augmenter les revenus et de réduire les dommages causés à l'environnement par les émissions de gaz à effet de serre. Ce que nous constatons, c'est que le potentiel de gain des personnes qui effectuent des livraisons de dernière minute, en particulier sur des bodas, est assez faible. L'exploitation d'une boda est assez coûteuse si l'on pense au carburant et à l'entretien. Un vélo électrique est 2 à 3 fois plus abordable. Nous avons donc vu que les défis liés aux livraisons sur le dernier kilomètre étaient abordables, mais aussi, bien sûr, que nous contribuons à rendre les villes plus propres et plus agréables parce qu'il n'y a pas d'émissions de carbone dans le cas des bicyclettes électriques. Les vélos électriques conçus et assemblés au Kenya sont alimentés par des batteries et des moteurs d'assistance au pédalage et peuvent atteindre une vitesse de 32 km à l'heure. Nous recommandons aux cyclistes de faire réviser leur vélo après 800 km de conduite. C'est là que nous pouvons voir si les freins ont besoin d'être ajustés, si les vitesses passent correctement et si le moteur fonctionne comme il est censé le faire. Alors que les villes africaines continuent de se développer, Sten van der Ham, d'Ibi, estime que la création de pistes cyclables sur les routes et d'autres infrastructures pour le transport non motorisé sera essentielle à l'adoption de ce mode de transport, ce qui lui apportera de nombreux avantages. Nous voulons avoir 1 million de bicyclettes sur les routes et en ayant autant de bicyclettes, l'impact sur les émissions de carbone est énorme. Ce sera 6,5 millions de kilogrammes de carbone que nous allons éviter. Mais il y a aussi des avantages économiques car nous allons créer plus de 200 000 emplois grâce à ce nombre de vélos sur les routes. Les experts affirment qu'il est essentiel de passer à la mobilité électrique à l'échelle mondiale pour minimiser le changement climatique. Et si les transporteurs de vélos électriques en Afrique, comme Ambassou, peuvent compter sur les avantages, des défis infrastructurels subsistent.